Musique encore avec Charline Vanhoenacker et, oui. Et Frédéric Fromet. Bonjour à tous les deux. Bonjour Simon. Le dictateur Kadyrov en Tchétchénie, Charline, a interdit les musiques trop lentes ou trop rapides afin, dit-il, de coller au rythme musical de cette République de Russie. Techno et reggae, par exemple, sont interdits. Les chansons doivent correspondre à un tempo de 80 à 116 battements par minute. Stop, main sur la tête. Posez cet iPod délicatement sur le sol. J'ai été flashé. Oui, vous écoutiez à combien? J'écoutais à 110. Mon métronome indique 120 battements, vous êtes en infraction. Allez, 3, 4. Pose tes deux mains sur la tête, c'est la Tchétchénie qui se prépare. Si ta musique ne respecte pas le tempo, c'est le mitard. Accroche bien tes écouteurs, pour pas qu'en Tchétchénie tu meurs. Si les flics te prennent en flag, avec du Vianney c'est le goulag. Y'en aura la casquette, la musique de tapette. Notre dictateur, il aime pas ça. Il va faire sa playlist avec les titres qu'il kiffe. Il va zigouiller Chewbacca. En France on a pas ça, on a juste Bardella. La musique c'est pas un problème, même si c'est vrai que parfois Aya Nakamura lui tape un peu sur le système. Choisis le rythme comme il faut, si tu veux pas mourir trop tôt. Un air trop rapide ou trop lent, c'est la Tchétchénie les pieds devant. Allez Simon. Car à celui qui trépille, on bute le premier qui couine. Chez Kadyrov on a trouvé comment faire taire Christophe Maé. Il faut des hommes virils comme un valet de Poutine pour maîtriser le Kazatchok. Si tu passes un morceau un peu trop ramolo, on te sert un Théo Novichok. Les talibans aussi, la musique interdit. Tu peux te faire lapider. C'est pareil à Grozny, Kadyrov réagit en voulant buter les DJ. Tchétchénie, Tchétchénie, Tchétchénie. Stop, Fred, attends, ralentis, parce que sinon on passera jamais sur Grozny FM. Ouais, mais si c'est trop lent, on va se retrouver sur la playlist inter. Oh mon dieu, allez, on reprend. Pose tes deux mains sur la tête, la Tchétchénie part en sucette. Autre tous les compositeurs. Allez, let's go. Il est Tatillon le dictateur. Une chanson toute pourrie, et tu finis comme Navalny. Si ton morceau lui a pas plu, la guitare finit dans ton aïe. On ne fait pas la dernière rime. Merci beaucoup à tous les deux, Charline Vanhoenacker et Frédéric Fromet.